Bon, on a eu des belles soirées, bon, un peu dommage que parfois elles ont foiré comme Opus Dei, où est-ce qu'il devait y avoir deux salles et une salle réservée exclusivement hardcore. Et puis la dernière soirée que j'ai faite, c'était Underdome. Bon, ce qui était vraiment dommage, c'est que PCP, bon, il était pas venu, mais bon, c'était carrément à prévoir. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis sorti de ces soirées-là assez content. Même très content. Parce que bon, Opus Dei, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'était très propre. Et Underdome, ce que j'ai apprécié, c'est que, comme chez beaucoup de gens d'ailleurs, on a pensé à une superbe soirée qui était Nostromo il y a 2 ans maintenant. Ça faisait rappeler ça, cette soirée-là. Effectivement, il n'y a que Lisa. Après, il y a d'autres que j'aime beaucoup, comme Laurent Roux en restant français. Sinon, après les Midi pour les États-Unis, très bon feeling et très bonne musique. Et ensuite, tout ce qui était The Dream Team, c'était sympa. Je cherche à tout prix de trouver une soirée avec Lisa et Elias. Et lorsque j'ai un petit peu les moyens, je sors dans différentes soirées hardcore. Et lorsque j'ai vraiment les moyens, et lorsque je prévois ça quelques temps à l'avance, j'essaie de me faire une bonne soirée à l'étranger.
comme les Anélias qui jouent une musique très aiguë et très grave aussi à la fois, et ben, avec les aigus on arrive à voyager et partir dans des délires assez sympathiques. Mais c'est vrai que lorsque j'écoute les moments les plus forts de Lisa Elias, je finis tout le temps par rigoler. De quoi, j'en sais rien, mais je rigole. Donc, effectivement, je voyage. Après, physiquement, ouais, la techno, ça m'a donné envie de découvrir tous les pays limitrophes, où est-ce qu'il y a un style musical techno. L'Angleterre comme la breakbeat, l'Allemagne pour le hardcore allemand, la Hollande pour le gabber, et puis après d'autres événements suisses comme Energy 94 Allemagne. We'll be right back.